Bienvenue à cette édition spéciale de Brancher entièrement consacrée à Internet. Parce qu'on entend beaucoup parler du net, on va tout d'abord vous expliquer ce que c'est Internet, ensuite comment on s'y branche et finalement ce qu'on peut y faire. Alors commençons avec la question, qu'est-ce que c'est Internet? Bien, c'est vrai qu'Internet, ça peut être un peu déroutant si on ne s'est jamais branché. Bon, disons que c'est une des trois grandes choses qu'on peut faire avec un ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, bon, utiliser des logiciels, un traitement de texte ou encore des jeux. Deuxième chose, regarder un CD-ROM comme un CD-ROM de musée ou encore une encyclopédie virtuelle. Mais bon, dans ces deux cas-là, notre ordinateur demeure quand même en circuit fermé. Alors, si on veut s'ouvrir sur le monde, si on veut rencontrer des gens, communiquer avec des gens et aller chercher des informations, bien là, on peut se brancher à Internet. D'accord. Et Jean-Hugues, par où on commence? Eh bien, pour bien comprendre Internet, ce que c'est, il faut un peu savoir d'où ça vient. Tantôt, tu disais qu'on parle beaucoup d'Internet depuis quelques années. Eh bien, c'est vrai, à tel point qu'on peut avoir l'impression que ça vient tout juste d'être inventé. Eh bien non, Internet, ça fait plus d'un quart de siècle que ça existe. Internet a été créé en 1969. À l'époque, le gouvernement américain voulait relier des ordinateurs les uns avec les autres pour constituer un réseau de communication qui aurait été indestructible, même en cas de guerre nucléaire. Imaginons que cette table, ici, c'est Boston, et que cette autre table, là-bas, c'est San Francisco. Il y a une communication qui s'établit entre les deux et qui passe par un relais situé ici, à Salt Lake City. Une guerre nucléaire éclate et Salt Lake City est détruite. Eh bien, Internet devait être conçu de telle façon que la communication entre les deux puisse quand même passer, mais par un autre relais, situé ici, à Los Angeles. C'est à partir de ces quatre premiers relais Internet que s'est développé le réseau qu'on connaît aujourd'hui. Et des relais Internet comme ceux-là, il en existe plusieurs au Québec. Un des plus importants se trouve à l'Université McGill. Nous voici dans le ventre du monstre. On est au deuxième sous-sol d'un immeuble du campus. Et puis, c'est ici, derrière cette porte, que se trouve le RISC, le Réseau interordinateur scientifique québécois. C'est le point névralgique du réseau Internet au Québec. Ce groupe de modems, ici, redistribue le signal Internet dans différentes régions du Québec. On a souvent de la difficulté, quand on parle d'Internet et du cyberespace en général, à visualiser ça concrètement. Eh bien, Internet, dans le fond, c'est un ensemble de câbles et de fils. Prenez, par exemple, les communications entre les 100 000 internautes québécois et le reste du monde. Eh bien, il y en a une grande partie qui passe tout simplement par ces deux petites fibres optiques ici. Au départ, Internet était un projet militaire hyper sérieux. Alors, on peut se demander comment ça se fait qu'aujourd'hui, on y trouve de tout, même des recettes de biscuits au chocolat. C'est que les chercheurs qui ont développé Internet tout au long des années 70 et 80 ont découvert que ça pouvait servir non seulement à des fins de recherche, mais aussi pour communiquer et pour s'amuser. C'est ça qui fait qu'Internet a peu à peu débordé du milieu universitaire pour se propager dans la société en général. Parce qu'Internet, c'est beaucoup plus qu'un réseau de fils et d'ordinateurs. C'est surtout un immense réseau de gens. C'est entre 15 et 50 millions de personnes qui vont sur Internet pour bavarder avec d'autres internautes ou encore pour échanger des informations et des opinions sur des milliers de sujets différents. Les internautes se servent aussi du réseau pour apprendre ou se divertir. Bref, Internet continue de croître au moment où on se parle. Jean-Hugues disait qu'au début d'Internet, il existait quatre relais, donc quatre ordinateurs hôtes. Aujourd'hui, on en trouve plus de 15 millions de ces ordinateurs hôtes. Et Stéphane, dis-moi, est-ce qu'on peut calculer le nombre d'internautes? Non, pas vraiment, parce que c'est un petit peu comme dans un recensement, comme si tu pouvais calculer le nombre de portes, le nombre d'adresses, mais que tu pouvais pas savoir combien de personnes habitent derrière chacune de ces portes-là. Ce qu'on sait du moins, c'est que toutes ces personnes-là ont dû se brancher. Et Jean-Hugues, la grande question, est-ce que c'est compliqué se brancher? Ouais, ça peut être un peu compliqué si on n'a jamais touché à un ordinateur de sa vie, mais cependant, comme on va le voir, c'est une recette qui est toute simple. Il y a juste quatre ingrédients. Ça nous prend un ordinateur, un modem, une ligne téléphonique et un abonnement auprès d'un fournisseur de services Internet. On va les regarder un à un. Si vous n'avez pas d'ordinateur, soyez sans crainte. Tous les ordinateurs neufs vendus aujourd'hui sont assez puissants pour naviguer confortablement sur Internet. Mais un ordinateur usagé peut aussi faire l'affaire.
avec un 486 ou un Pentium dans la famille des compatibles IBM ou un vieux LC ou un PowerPC du côté des Macintosh, vous devriez n'avoir aucun problème. Assurez-vous simplement d'avoir suffisamment de mémoire vive ou de RAM, 8 mégaoctets, ça devrait être considéré comme un minimum. Mais même si vous avez un très vieil appareil, un peu comme celui-ci, Internet reste tout à fait accessible. Internet, après tout, a été créé il y a 26 ans. La navigation, par contre, risque d'être un peu sèche. De plus, vous risquez d'avoir de la difficulté à trouver un fournisseur d'accès Internet qui vous donne un accès à l'ancienne façon, c'est-à-dire en mode texte. Voici par exemple à quoi ressemble le site à la découverte de Tintin en mode texte. L'autre façon d'accéder à Internet, c'est ce qu'on appelle le mode graphique qui permet de voir les images et d'entendre les sons et les vidéos s'il y en a. C'est ce mode d'accès que vous proposeront tous les fournisseurs d'accès Internet aujourd'hui si votre ordinateur n'est pas trop vieux. Le modem, maintenant. C'est ce qui permet à votre ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs. Imaginons que vous voulez aller chercher sur Internet cette image des personnages de Tintin. En fait, elle se trouve sur un ordinateur situé dans la région d'Ottawa. Sa taille est de 106 kilooctets. Ça, c'est la place qu'elle va occuper sur votre ordinateur. Eh bien, si vous possédez un modem 14 400 BPS, comme celui-ci, l'opération devrait vous prendre environ 1 minute 15 secondes. Avec un modem 28 800, par contre, l'opération est réduite à environ 45 secondes. Mais il y a moyen d'aller encore plus vite. Les modems les plus rapides atteignent déjà les 33 600 bits par seconde et des 56 000 BPS seront bientôt en vente. De plus, si vous habitez une région où l'accès à Internet est possible via le câble, vous aurez accès à des vitesses encore supérieures. La plupart des gens qui accèdent à Internet à partir de la maison passent par la prise de leur téléphone. Ça peut aller pour un certain temps, mais si vous comptez vous brancher à Internet tous les soirs après souper, imaginez la frustration des membres de votre famille qui non seulement ne pourront plus vous parler, mais en plus ne pourront plus téléphoner à qui que ce soit. Configurer son ordinateur pour qu'il soit compatible à Internet, c'est l'étape la plus difficile du branchement. Mais avant d'en arriver là, il faut vous choisir un fournisseur d'accès à Internet, un peu comme celui où on se trouve présentement. C'est ici que se fait le pont entre votre ligne téléphonique et le reste d'Internet. Par exemple, l'image des personnages de Tintin qu'on a vu tout à l'heure, elle arrive via le réseau Internet par ce câble, ici. Elle est ensuite triée par les appareils de votre fournisseur qui trouve votre ligne téléphonique parmi les 250 qu'on a ici et qui ensuite envoie l'image chez vous par là. Le quatrième ingrédient, c'est le fournisseur d'accès. Il y a des fournisseurs d'accès qui veulent vous vendre leurs services en distribuant des disquettes ou des CD-ROM dans les revues ou en vous les envoyant par la poste. Mais comme on va le voir dans le reportage, il est préférable de faire affaire avec l'un des 100 ou 150 fournisseurs d'accès locaux qui existent au Québec. Évidemment, c'est pas facile de trouver un bon fournisseur d'accès Internet, mais si on sait poser les bonnes questions, on risque moins de se faire avoir. Tout d'abord, si vous achetez un ordinateur neuf, il y a aussi de fortes chances qu'on vous offre un abonnement à ce qu'on appelle un service online. Ces services-là, comme CompuServe ou America Online, offrent de très bonnes bases de données, mais ils sont basés aux États-Unis et leur connexion à Internet peut être très lente. Vous aurez une connexion plus rapide en choisissant un fournisseur Internet près de chez vous. Mais comment le trouver? Il y a d'abord les pages jaunes qui contiennent depuis cette année une section Internet. Vous pouvez également regarder les publicités que vous voyez dans les journaux ou les listes imprimées dans les livres sur Internet. Une fois que vous avez votre liste, il y a un certain nombre de questions que vous allez devoir poser aux fournisseurs pour vous aider à faire votre choix. On a posé ces questions à quelques fournisseurs. C'est 29,95 par mois avec taxes. Ça, ça vous donne 60 heures d'accès. Nos prix sont de 29 $ pour 40 heures d'utilisation sur Internet. C'est 39 $ comme frais d'installation et 29 $ de frais mensuels pour un bloc de 40 heures. On voit qu'il y a une variété étonnante de grilles tarifaires. Dites-vous que la moyenne, c'est environ 25 $ par mois pour une quarantaine d'heures d'accès.
Notre ratio nombre de membres par modem est présentement dans le 12 à 13 pour 1. C'est moins que 10 clients par ligne téléphonique. C'est environ 10 usagers par modem. Plus cette proportion-là est petite, un modem pour 15 usagers, un pour 20, plus vous risquez d'avoir une ligne occupée quand vous allez vouloir vous brancher. Dites-vous qu'en moyenne, un modem pour 10 usagers, c'est raisonnable. C'est le lundi à vendredi de 9h à 5h. Pour ce qui est résidentiel, c'est sur les heures d'affaires. De 9h le matin à 10h le soir. En général, les gens naviguent sur Internet, surtout durant la soirée. Alors, c'est important que votre fournisseur d'accès puisse répondre à vos questions techniques durant ces heures-là. Il y a aussi deux autres choses qu'il faut demander à son fournisseur d'accès Internet. Oui, Sophie, il faut d'abord lui demander s'il n'y a pas des frais supplémentaires qui se rattachent. D'abord, si on veut avoir sa page web personnelle, il y a souvent des frais qui s'attachent à ça. Et si on dépasse le nombre d'heures de connexion qui est prévu, bien souvent, il y a un compteur qui se met à tourner et ça nous coûte tant d'heures par mois. Il faut aussi, la deuxième question, lui demander s'il n'a pas une trousse d'accès. Parce que configurer son ordinateur pour accéder à Internet, c'est l'étape la plus compliquée. Alors, des trousses d'accès comme celle-ci, ça nous facilite grandement la tâche. Et une fois que vous avez votre fournisseur d'accès Internet, vous êtes branché. Et maintenant, il y a mille et une choses que vous pouvez faire sur Internet. Nous sommes allés voir un expert en la matière. On est dans le quartier Rosemont à Montréal et on s'en va chez Christian Guy, un des fondateurs de la Toile du Québec. La Toile, c'est un site web qui répertorie d'autres sites web au Québec, un peu sur le même principe que les pages jaunes. Si vous avez déjà navigué sur Internet, vous l'avez visité, c'est certain. Christian va nous en parler aussi. L'Internet est très bien implanté au Québec. C'est encore embryonnaire, on s'entend, OK? C'est pas tout le monde qui est branché, c'est même pas tout le monde qui a un ordinateur à la maison. Et il y en a qui ont des ordinateurs qui n'ont pas de modem, et là, on est loin du branchement encore. Par contre, si je compare avec les débuts de la Toile il y a un an, la progression se fait de façon exponentielle. La meilleure façon de visualiser le contenu d'Internet, c'est de le comparer à une ville. Et dans la cité Internet, l'endroit qui est le plus visité, c'est ce qu'on appelle le World Wide Web. En fait, ça se compare à une immense bibliothèque. Le web, c'est codé en HTML, qui est le Hypertext Markup Language, donc des liens hypertextes qui sont cliquables. Quand on clique sur un lien hypertexte, ça nous amène à une autre page. Donc, on peut naviguer comme ça. Et le web permet ça, en plus de présenter les images. Sur Internet aussi, les gens fréquentent souvent le bureau de poste, c'est-à-dire le courrier électronique. Je pense que le email sur Internet, c'est le retour de la correspondance écrite. Ça recommence. Moi, quand j'étais à la petite école, on faisait ça, puis j'ai plus jamais vu ça depuis, sauf maintenant avec Internet. J'ai des contacts à travers le monde et puis on s'échange de l'information comme ça. La troisième ressource la plus utilisée sur Internet, c'est ce qu'on appelle les news groups ou, en français, les forums de discussion. Des forums comme ça, il y en a 15 000 sur le réseau et on y discute d'à peu près tous les sujets possibles, des Canadiens de Montréal à la cardiologie, en passant par les ovnis. C'est comme s'il y avait 15 000 congrès qui se dérouleraient simultanément et continuellement, mais aussi auxquels vous pouvez participer. Enfin, dans Internet, les gens aiment bien faire des rencontres sur IRC. C'est l'Internet Relay Chat. C'est une zone où on va bavarder avec d'autres internautes, un peu comme dans un café. C'est une façon de se connecter à un serveur où on peut discuter en direct. Et quand je dis discuter, j'entends pas par la voix. C'est vraiment, on tape son message. C'est à peu près comme les news groups. C'est-à-dire que il y a une chambre de chat, de bavardage, destinée à un tel sujet. Les gens parlent de ça là-dedans, ou à peu près, parce que c'est quand même assez vaste. En septembre 1996, le réseau interordinateur scientifique québécois, le RISC, a effectué une enquête sur les internautes du Québec. On leur a demandé quelle était la ressource qu'ils utilisaient le plus. 69 % ont répondu le web, 23 % le courrier électronique, 5 % IRC, et les 3 % qui restent utilisaient surtout une autre ressource non précisée.
Dans le dernier reportage, Jean-Hugues comparait Internet à une ville. Jean-Hugues, il n'y aurait pas un petit red light district dans cette ville? Oui, Sophie, il faut l'admettre. Là, il y en a de la pornographie sur Internet, mais ça reste vraiment marginal. Si on compare ça à l'ensemble de ce qui est disponible sur le réseau, là, la pornographie, ça représente vraiment une partie infime du total. Maintenant, on va regarder les principales ressources d'Internet une par une et on commence par la plus populaire, le World Wide Web. On a déjà comparé le Web à une immense bibliothèque virtuelle. Mais comment est-elle née, cette bibliothèque? Alors, tout a commencé en 1992 au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire à Genève, en Suisse. Les chercheurs du CERN étaient dispersés un peu partout autour du globe et l'un d'entre eux, il s'appelle Tim Berners-Lee, a voulu mettre au point un système qui lui permettrait de diffuser facilement de l'information auprès de tous ses collègues. Son système devait être facile à utiliser grâce à ce qu'on appelle des hyperliens. Un hyperlien, c'est une idée qui se trouve dans un document, mais qui réfère à un autre document. Je vous donne un exemple. Imaginons que je sois sur Internet et que je navigue dans cette encyclopédie. Bien, je l'ouvre. On est dans la section Canada, vie culturelle, tiens, l'art moderne et contemporain, la peinture. Je trouve l'expression Paul-Émile Bordua. Si cette expression est un hyperlien, je clique dessus et ça m'amène instantanément à un autre document, la peinture au Québec. Encore une fois, j'ouvre le document. On peut lire que Bordua était membre du groupe des automatistes et qu'en 48, il a publié le manifeste Refus global. Voici un autre hyperlien, Refus global. Je clique dessus et j'accède instantanément au document du même nom. Alors, c'est comme ça que, sur Internet, on navigue d'un document à un autre, comme dans une immense bibliothèque. Si le Web est si populaire, c'est aussi parce qu'il est facile de publier dans cette bibliothèque en créant son propre site. Un site, c'est en quelque sorte une vitrine électronique où, moyennant des frais, on peut exposer au monde entier qui on est, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on fait. C'est justement ce qu'a fait un chansonnier de Montréal, Yves Laneuville. Sur le Web, il a sa page personnelle, mais il donne aussi, à ses frais, des tonnes d'informations sur la chanson d'expression française. Mais c'est surtout de faire ma contribution, si on peut dire, à Internet. Depuis que je suis branché, je vais chercher de l'information. Puis à un moment donné, il faut se dire, bon, c'est le fun d'aller chercher tout ça, mais pour que ça soit là, il a fallu que des gens donnent de leur temps, donnent de leur savoir. Dans un marais de gens mauvais, il y avait... Je passerai pas mes journées devant des ordinateurs. Il n'y a rien comme aller dans une résidence pour personnes âgées et faire une heure et quart, une heure et demie de chansons, d'émouvoir des cœurs, de s'émouvoir soi-même aussi en voyant ces gens-là qui réagissent aux chansons qu'on chante. Passer par ce pays la nuit. Oui, Internet, c'est beau, mais c'est pas tout. Il reste du contact humain. Il faut que ça reste, puis bon, ça me prend ça. Danser, chanter, bras enlacés, afin de consoler votre beaux os. Si le Web est si populaire aujourd'hui, c'est bien sûr par sa convivialité, mais aussi, comme le fait Yves Laneville, parce qu'il est facile de s'y exprimer. En fait, aujourd'hui, on compte pas moins de 60 millions de documents différents sur le Web. C'est énorme parce qu'il y a 5 ans, là, on n'en comptait aucun. Jean-Hugues, on vient de voir l'application la plus récente d'Internet, c'est-à-dire le Web. Maintenant, on va examiner l'application la plus ancienne, le courrier électronique. Oui, le courrier électronique ou e-mail pour Electronic Mail. Ça, c'est une application qui nous vient des années 70, mais elle reste encore très utilisée aujourd'hui. D'ailleurs, l'année dernière, sais-tu combien de messages de courrier électronique se sont échangés les internautes? Quelques millions? C'est pas loin de 6 milliards. 6 milliards. OK, bonjour. Merci. Merci beaucoup. Je viens d'envoyer une lettre à un ami en Belgique. Avec un peu de chance, il risque de la recevoir la semaine prochaine. Mais si je lui avais envoyé un message de courrier électronique, il l'aurait reçu en quelques minutes. Évidemment, j'aurais pu lui téléphoner aussi, mais bon, la ligne risque d'être occupée et puis surtout à cette heure-ci, mon ami risque d'être couché. En lui envoyant un courrier électronique, je peux être certain qu'il va pouvoir lire mon message dès son réveil demain matin. Quand vous allez vous brancher à Internet, vous allez avoir une adresse électronique semblable à celle-ci. La partie qui vient avant le A commercial, c'est votre nom d'usager.
La partie qui vient après correspond en général au nom de votre fournisseur d'accès. Ici, les dernières lettres peuvent correspondre à la nature des activités de votre fournisseur. .com, par exemple, signifie qu'il s'agit d'une entreprise commerciale. Ou bien, elles peuvent désigner une localisation géographique. .qc.ca, par exemple, pour Québec, Canada. .fr pour la France, et ainsi de suite. Une fois que vous connaissez votre adresse, vous devez utiliser un logiciel de courrier électronique. Le plus courant s'appelle Eudora et une de ses versions est gratuite. Il est très simple à configurer et à utiliser. Avec un logiciel de courrier, vous pouvez envoyer des messages, mais aussi des images, des fichiers sonores et même des logiciels complets. De nos jours, avec le fax, le cellulaire, les téléavertisseurs, on peut se demander qu'est-ce que le courrier électronique nous donne de plus. On a posé la question à Marie-Brigitte Stock, une relationniste qui l'utilise tous les jours. C'est beaucoup plus rapide. Enfin, l'information se transmet presque d'une façon simultanée. Puis des économies de temps aussi. Enfin, bon, ça, si je chiffre ça par le temps passé à envoyer quelque chose, le faxer, vérifier si le fax est bien passé, c'est du temps aussi. Donc, oui, il y a certainement des économies. Maintenant, je vais te montrer comment on en envoie, tu veux? Oui. Hein? On va lui envoyer quelque chose. De cliquer sur de tout, et automatiquement, son adresse... apparaît avec mon adresse à moi. OK. Ici, je vais, bon, rentrer... Vous écrivez le message. OK, là. On va rentrer un message. Salut, virgule. On va essayer d'envoyer ça. Voilà, et c'est ben, fait, elle l'a reçu. C'est fini. Et ça, c'est la même vitesse pour Vancouver ou pour Toronto ou pour les États-Unis et tout ça. Je veux dire, ça a été très vite, c'est fait. Et puis, si demain matin, votre fournisseur d'accès Internet disparaissait, est-ce que vous seriez en manque de courrier électronique? Oui, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes au moment où il fallait envoyer un communiqué de presse qui était très important, et puis tout a sauté. C'était pas une bonne journée, disons. Ça m'a manqué, oui. On aborde maintenant une autre application d'Internet qu'on appelle les forums de discussion, ou news group en anglais. Lorsqu'on dit qu'on trouve n'importe quoi sur Internet, habituellement, on fait référence aux forums de discussion. Stéphane et moi sommes en train de regarder une liste des sujets dont on discute dans ces forums. Alors, ça va du jardinage aux extraterrestres à la pornographie. Oui, il y a même des forums où on peut télécharger des images pornographiques. Il y en a d'autres où ce sont des fanatiques de l'extrême droite qui échangent des propos haineux. Mais il faut quand même dire que dans la plupart des forums, ce sont des propos relativement inoffensifs que l'on tient. Ce qui fait que, peu importe votre intérêt particulier, il y a certainement un forum de discussion qui vous attend sur Internet. On est au Palais des congrès de Montréal et, comme tous les centres de congrès dans le monde, cet immeuble est conçu pour recevoir plusieurs événements en même temps. Par exemple, à côté se déroule une conférence sur l'avenir de l'imprimerie, alors que derrière nous, le Mouvement des Jardins est à préparer son assemblée annuelle la semaine prochaine. Sur Internet, c'est un peu la même chose, mais à la puissance 1000. Il existe un espace qui s'appelle le Usenet, qui est découpé en 15 000 forums de discussion ou newsgroups différents qui se déroulent en même temps et tout le temps. Si vous avez accès à Internet, vous pouvez lire ce qui se passe sur ces forums à l'aide des logiciels Free Agent sur un PC avec Windows ou NewsWatcher sur un Macintosh. Ou encore, vous pouvez utiliser les furteurs web Netscape ou Microsoft Explorer, qui sont tous les deux dotés d'une interface pour lire les forums. La configuration de ces logiciels est simple. Cependant, se retrouver dans les différents forums est un peu plus compliqué. Ils sont classés en 6 grandes catégories qu'on identifie à l'aide du préfixe du forum. Un forum dont le nom commence par SCI, par exemple, va traiter d'un sujet d'intérêt scientifique. S'il commence par SOC, il va traiter d'un sujet social, et ainsi de suite. On trouve même quelques forums dont le préfixe est CAN pour Canada, QC pour Québec et MTL pour Montréal. Quels que soient vos domaines d'intérêt, vous êtes certain de trouver un forum pour y discuter. Un des forums les plus populaires au Québec s'appelle SOC Culture Québec et nous avons rencontré un de ses créateurs, Yves de Repentigny, étudiant au doctorat en biologie à l'Université de Montréal. Et si on veut participer à la discussion sur ces forums de discussion-là, comment ça fonctionne?
On voit toute une liste d'une série de messages qui portent sur le même sujet. Il y en a une ici qui s'appelle « Le transport glorieux des restes de la Sainte-Flanelle ». Du déménagement de l'ancien au nouveau forum. Exactement. Okay. Bon, en théorie, parce que souvent, le sujet peut changer en plein milieu d'une enfilade. Et, ouais. On a commencé avec le déménagement du Canadien et on parle de chien. De chien, ça, c'est... Ouais. Je vais essayer de faire un rapport avec le hockey. Alors, je réponds... Paraît qu'il servent d'excellent. Chien saucisse, OK. Au forum. Et là, pour l'envoyer, qu'est-ce qu'on fait? Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est CTRL-X. Et là, il me demande si je poste l'article. Je réponds oui. Et voilà. Sur les forums de discussion, surtout, il y a ce qu'on appelle la nétiquette. On peut pas dire ce qu'on veut ou, enfin, il y a certaines règles. Hein? Bon, la nétiquette, en bref, c'est un peu comme dans la vraie vie. C'est bon d'y aller, d'essayer de respecter les gens avec qui on parle, avec qui on discute. Alors, c'est de pas les insulter. Sur Internet, quand on écrit en caractère en majuscule, c'est considéré comme si on criait. Ici, il faut faire une nuance importante. La communication sur les forums ne se déroule pas en direct. C'est comme placer une annonce dans une revue spécialisée pour vendre sa voiture. Il peut se passer quelques jours avant que tous nos acheteurs potentiels aient vu notre annonce. Si vous êtes sur Internet et que vous naviguez surtout sur le web, je vous conseille une petite visite dans les forums de discussion. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'Internet est peut-être moins une autoroute de l'information qu'une autoroute de la communication. On vient de voir qu'on peut communiquer avec d'autres internautes en différé dans les forums de discussion, mais j'en ai vu qu'on peut aussi communiquer en direct. Oui, Sophie, c'est possible grâce à une application qui s'appelle l'Internet Relay Chat ou IRC. Mais je pense que Stéphane est beaucoup mieux placé que nous pour en parler. Stéphane, tu passes combien d'heures à peu près là-dessus? Ben, peut-être 20-25 heures par semaine, tout au plus. Mais ce que tu disais, c'est intéressant, l'analogie de la ville. Parce que, bon, sur la ville d'Internet, IRC, c'est un peu comme un café ou un bistrot, justement. Excepté qu'au lieu de parler de vive voix avec les gens, ben, on communique par clavier interposé. On regarde ça. Il faut toutefois vous prévenir que le reportage a été fait avant que Stéphane se joigne à l'équipe de Branché. À l'époque, il portait la barbe et la moustache. Bref, on l'a tellement aimé qu'on l'a acheté. Stéphane Etier est un véritable accro de l'Internet Relay Chat. Sur IRC, il change carrément d'identité. Stéphane Etier devient la brute. Dis donc, la brute, ça fait combien de temps que tu es sur IRC? Ça fait pas loin de 4 ans, là. 4 ans? Oui. Pourquoi qu'est-ce qui t'est accroché? Qu'est-ce qui te fait revenir tous les soirs? Ben, parce que j'y retrouve mes amis. Je veux dire, je sors, bon, évidemment, je sors des fois, là, naturellement. Dans les vraies places. Souvent avec des gens que j'ai connus par l'intermédiaire d'IRC, où on organise des parties, mais en fait, ce qu'on appelle des GT, des Get Together, en langage IRCien. En général, disons les soirs, où il y a le plus de monde en même temps, où on parle de peut-être 15 à 20 000 personnes en même temps. Ils sont sur tout l'IRC. OK. Nous, on parlerait d'environ 4 000 canaux différents. 4 ou 5 000 canaux. 4 000 chambres, 4 000 cafés différents. 4 000 cafés différents, exactement. Se brancher sur l'Internet Relay Chat, c'est un peu comme entrer dans un café ou dans un bar et se mettre à discuter avec de purs inconnus. Et de la même façon qu'il existe différents styles de café ou de bar, il existe différents canaux sur IRC. On reconnaît ces canaux-là par le symbole dièse qui précède le nom de chacun d'eux. Sur certains canaux, on peut discuter de politique ou de sujets de société. D'autres, par contre, servent carrément pour faire des rencontres. Il faut vraiment choisir ton canal. Bon, c'est comme quand on arrive, par exemple, dans une nouvelle ville, on dit, bon, mais là, on cherche les endroits où il y a des gens qui ont des intérêts un peu communs, qui ont peut-être un peu le même âge ou qui vont parler la même langue aussi. C'est bête, mais c'est vrai. On se branche à l'Internet Relay Chat en utilisant, si on a un compatible IBM, le logiciel MIRC ou, si on a un Macintosh, les logiciels Urkel ou Homer. Après avoir choisi un pseudonyme, on peut se mettre à discuter. Mais auparavant, il faut se connecter à un serveur IRC. Ces serveurs sont relativement rares, mais les logiciels qu'on vient de mentionner fournissent les adresses des principaux serveurs IRC dans le monde. On n'a pas exactement les mêmes conversations sur IRC qu'on aurait dans la vraie vie, parce qu'on n'est pas en face de la personne. Ouais. Ça permet de dire des choses différemment, de dire des choses différentes aussi. Il y a souvent beaucoup de confidences qui s'échangent sur IRC.
qui est intéressant avec IRC, c'est qu'on peut masquer son identité. Mais maintenant, on peut pousser la mascarade encore plus loin en devenant un avatar. Jean-Hugues, explique-nous c'est quoi un avatar. Oui, Sophie, c'est vrai que IRC, hein, c'est un monde de texte seulement. Alors, les gens qui utilisent des ordinateurs aujourd'hui sont habitués à des interfaces un peu plus graphiques. Alors, c'est pour ça qu'il existe des logiciels comme celui-ci, ici, The Palace. Quand on s'y branche, on devient un petit personnage. Comme par exemple, ici, une personne transformée en boule et une autre en belle-fille. Oui, alors ces personnages-là, ce sont nos avatars. Alors, il est possible d'aller sur Internet aujourd'hui et d'aller à la rencontre d'autres avatars, là, donc d'autres internautes. T'es un petit peu en retard. Il y a quelqu'un qui s'est occupé de toi. Ouais. C'est ton mari. Nous sommes à Drummondville, au cœur du Québec. Ces gens se rencontrent pour la première fois et pourtant, ils se connaissent déjà. On se connaît, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait super longtemps qu'on se connaît. Dans le fond, il n'y a pas de raison d'être gêné, c'est juste que là, il y a un visage. En fait, ils se sont connus dans un univers virtuel, un lieu sur Internet où chacun peut prendre la forme d'un personnage et discuter avec d'autres. Cette cinquantaine de personnes qui sont venues des quatre coins du Québec partagent tous une passion pour The Palace. On joue là-dessus jusqu'à 4-5 heures du matin. On a eu de la job, la seule affaire qu'on pense, on passe à côté de la machine, non, il faut pas que j'y aille. Mais la première chose que tu fais, tu la roues, puis t'es rendu, c'est pas là. C'est une drogue. La drogue palacienne. Ça, là, ça nous prend ça tous les jours. Hein. Je m'excuse, là, mais ça, on enlève pas ça. Pas du tout. Rassurez-vous, The Palace n'est pas un stupéfiant, mais un logiciel. Que vous possédiez un Mac ou un PC, vous pouvez télécharger une version gratuite du Palace à partir du site web de la compagnie. Elle vous permet de vous brancher sur des sites Palace, mais à titre d'invité seulement. Vous pouvez vous promener de pièce en pièce et discuter avec les autres. Cependant, les expressions que peut prendre votre avatar sont plutôt limitées. Pour pouvoir utiliser votre avatar à son plein potentiel, il vous faut devenir membre du Palace pour 25 $ US. Quelle apparence vous lui donnez à votre avatar? Philo, c'est une boule. Des fois, je pense aussi Pinocchio. Pourquoi? Ça, c'est quand, je suis d'une humeur volage un peu, il ne faut pas qu'ils prennent tout ce que je vais dire pour la vérité. Tu finis par te faire une idée de la personne qui est derrière cette petite boule-là, mais quand tu rencontres ces gens-là, là, moi, en tout cas pour moi, c'est l'éblouissement aujourd'hui. Mais il existe d'autres logiciels de discussion avec Avatar. Contrairement au Palace, qui ne présente que deux dimensions, Alpha World est en 3D. Votre avatar se promène sur une vaste plaine où il peut discuter avec d'autres ou encore construire son propre espace. OnLive présente lui aussi un monde en trois dimensions. Sauf qu'on y interagit non pas par clavier interposé, mais de vive voix. Oh, you're Canadian. Avec une carte de son, un microphone et des écouteurs, vous discutez avec d'autres avatars en vous rapprochant d'eux. Alpha World et OnLive ne sont cependant disponibles que sur plateforme PC. On trouve encore d'autres logiciels de discussion avec Avatar, mais c'est assurément le Palace, avec son interface simple et efficace, qui connaît la plus grande popularité. J'ai du monde de France, j'ai du monde des États-Unis qui sont venus voir, visiter. J'ai du monde partout au Québec. France Fauché et Marthe Dubois-Lauzière ont organisé cette première rencontre d'usagers québécois du Palace. Pour elle, malgré son aspect bande dessinée, le Palace est en train de devenir une véritable communauté. Il y a quelqu'un qui a un problème, tout le monde est là, on l'écoute, on lui parle, on essaie de... OK, on va changer les idées. Le métier se fait plus vite. Oui. Sur place. C'est plus facile. Facile que physiquement. C'est du monde évolué. Tu peux dire des choses sur un clavier que tu aurais de la difficulté à dire si je te rencontrais étranger, peut-être un étranger, puis si j'avais à te parler, je te conterais peut-être pas la même chose. Pour M. Aubert, alias Philo, le Palace serait même un excellent moyen pour les retraités, comme pour tous les gens qui se sentent seuls, de briser leur isolement. Puis si j'ai un message à passer à ces gens-là, de 65 ans, c'est justement d'aller sur Palace. Parce que moi, depuis que je suis sur Palace, je ne suis pas seul, je ne suis plus seul. J'ai des amis, la preuve, il y en a 50 ici, ils sont devenus mes amis. Je ne peux plus m'en passer. S'il y a un soir que je ne vais pas sur Palace, je m'ennuie. Ah, je ne suis plus seul. Un des domaines où Internet est le plus prometteur, c'est dans le domaine de la téléphonie. En fait, maintenant, grâce à Internet, on peut faire des appels interurbains sans payer les frais d'interurbain. Par exemple, Jean-Hugues est à l'autre bout du café. Salut!
et je vais lui parler via Internet. Mais Jean-Hugues pourrait être à l'autre bout du monde, ce serait la même chose. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour Sophie. Est-ce que tu pourrais nous parler du logiciel qu'on utilise? Oui, ça s'appelle Internet Phone. Ça vient de la compagnie VocalTech et puis c'est l'un des 15 logiciels de téléphonie qu'on trouve en ce moment sur Internet. Oui, mais la qualité du son n'est pas extraordinaire. Oui, tu as raison, c'est la téléphonie sur Internet, ça existe depuis à peine un an. Mais comme on va le voir avec un usager qu'on a rencontré, c'est quand même assez bon pour rendre les compagnies de téléphone assez nerveuses. My name is Martin, and I'm in Montreal, Canada. Over. Yes, I visited Montreal several times. I am from Arizona, but I'm living in Mexico City. Over. Professeur à l'Institut TECAR, Martin Archambault utilise Internet pour parler de vive voix avec des gens situés un peu partout dans le monde. Idéalement, il faut se donner rendez-vous parce que contrairement au téléphone ordinaire qui sonne dans la maison pour nous avertir que quelqu'un veut nous parler, Internet Phone fait appel à des serveurs qui utilisent le logiciel Internet Phone. Il faut donc être branché sur Internet et en plus être dans le logiciel Internet Phone pour être accessible sur les tables de discussion. Il existe une quinzaine de logiciels de téléphonie Internet pour Mac et pour PC. La plupart coûtent entre 20 et 150 $ américains. Mais vous pouvez trouver sur Internet des versions démo d'Internet Phone, par exemple. C'est le produit que recommandent la plupart des bancs d'essai de logiciels de téléphonie. Le démo, par contre, ne fonctionne que durant 7 jours. Ah, on est trois, en fait, sur la ligne. Il y a Yannick, Nordine et Billy, dans Lyon, en France. D'accord, Lyon, en France. Vous Une autre chose à considérer, est-ce que votre carte de son et votre logiciel permettent des communications half-duplex ou full-duplex? Dans le mode half-duplex, un seul interlocuteur peut parler à la fois, un peu comme avec un walkie-talkie. 10-4. Alors que dans le mode full-duplex, les communications peuvent se croiser, comme avec le bon vieux téléphone. I'm gonna play you some music! Martin utilise Internet Phone, qui permet de parler à de purs inconnus en se branchant à des serveurs prévus à cet effet. La plupart des logiciels de téléphonie permettent de rejoindre un internaute qu'on connaît déjà. Il suffit de composer son adresse Internet ou adresse IP. Ah, salut, Pat! Comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine? Ben, moi, j'utilise Internet Phone depuis environ une période de 3 mois. Et puis, principalement, c'est pour parler avec mon père, qui demeure à une zone qui est longue distance avec moi. Donc, ça nous permet de nous communiquer sans directement utiliser le téléphone et faire des interurbains. Bon, évidemment, ça ne représente pas des économies monstres, mais c'est quand même intéressant de pouvoir l'utiliser comme ça sans se préoccuper des frais de longue distance. Avoir beaucoup de personnes avec qui je pourrais faire des communications, il est certain que je pourrais peut-être même faire des économies qui avoisineraient le coût de mon abonnement Internet. Finalement, je pourrais payer mon abonnement mensuel Internet juste avec les économies, oui. I'm getting a real garbled response. Can you repeat again and speak more slowly? You've already answered my question. I was asking you how is my signal quality there in Mexico? Mais les résultats peuvent être décevants. La qualité d'une communication est encore loin de ce qu'on obtient avec le téléphone. Mais il s'agit définitivement d'une voie d'avenir qui risque de supplanter les services d'interurbain tels qu'on les connaît aujourd'hui. En Ontario, par exemple, une petite compagnie appelée The Link offre d'ores et déjà au grand public 15 heures d'interurbain par mois pour 20 $ seulement, et ce, partout en Amérique du Nord. Son secret, elle passe par Internet. C'est ce qui fait que plusieurs compagnies d'interurbain sont inquiètes. Aux États-Unis, elles ont demandé à la FCC, l'équivalent américain du CRTC, de carrément interdire la téléphonie par Internet. Je pense que c'est déjà un concurrent. À savoir si c'est un concurrent sérieux, je pense que c'est pas le cas présentement. Mais être dans les souliers des dirigeants d'une compagnie de téléphonie, je commencerai à me poser des questions. Il est impossible de prédire ce que l'avenir nous réserve dans le domaine de la téléphonie par Internet, mais chose certaine, ça risque de toucher tout le monde. Oui, allô? Un instant, là. Allô?
Les jeux qu'on peut obtenir sur le marché nous permettent de jouer comme à l'habitude contre l'ordinateur, mais de plus en plus, on trouve des jeux qui nous permettent de jouer contre un vrai adversaire en réseau, un peu comme sont en train de le faire Stéphane et Jean-Hugues. Oui, Sophie, Stéphane et moi, on joue à un jeu qui s'appelle Duke Nukem 3D. On est chacun sur notre ordinateur, mais pourtant, on est dans la même partie. On communique l'un avec l'autre à travers ce réseau ici. Alors, on est à quelques mètres de distance, quelques pieds de distance, mais on pourrait être à plusieurs kilomètres l'un de l'autre et jouer via Internet. Le seul problème, quand on est tout seul à la maison, c'est comment on trouve un adversaire. Eh bien, il y a des systèmes qui nous permettent d'en trouver et on va voir ça. Nous sommes chez Luc Dénommé, 14 ans. Il est à la recherche de partenaires de jeux sur Internet. C'est tout nouveau pour moi. J'ai découvert Cali, ça c'est pour joueurs réseau, dans une revue américaine. Salut Dan! Salut Charles, ça va? Yes sir! Pendant ce temps, à 250 km de là, Danny Lamontagne arrive chez son grand ami Charles Verrette. Ils n'ont que 23 ans, mais ils sont déjà des habitués des jeux en réseau. On dort pas beaucoup, puis on se fait bien le soir. C'est une passion. C'est une drogue. Avant ce soir, Danny et Charles n'avaient jamais rencontré Luc. Pourtant, dans quelques instants, ils s'affronteront sur Internet. Ils vont faire connaissance grâce à un système appelé Kali. Le jeu permet la possibilité de multijoueur, donc de jouer à plusieurs personnes à la fois. En faisant ça avec Kali, donc en faisant partir les deux simultanément, si on veut, ça nous permet de jouer contre d'autres gens qui sont à travers la planète, parce que l'Internet, c'est ça, on peut atteindre plusieurs gens là, vraiment d'un bout à l'autre du monde. Bref, Kali, ce n'est pas un jeu. Vous devez déjà posséder les jeux en question sur votre disque rigide. Kali ne vous offre qu'un point de rencontre. Pour utiliser Kali, qui fonctionne autant sur Mac que sur PC, il vous suffit de le télécharger à partir de son site web. Une fois installé, il vous permettra de vous relier à l'un des quelques 100 serveurs Kali dans le monde et d'y trouver des adversaires. Yo, OK, go! Vous pouvez jouer avec autant de partenaires que le jeu que vous choisissez le permet. Kali est compatible avec une trentaine de jeux différents, dont Duke Nukem 3D ou Warcraft 2, un des jeux en réseau les plus populaires dans le monde en ce moment. Il existe d'autres systèmes qui vous permettent de trouver des adversaires virtuels, comme le Total Entertainment Network ou M-Player, par exemple. Mais ces systèmes vous facturent quelques dollars pour quelques heures de jeu par mois. Si vous voulez jouer plus, il vous faut débourser un tarif horaire. Et la facture peut monter très vite. Kali a l'avantage d'être gratuit à l'utilisation. La version gratuite que vous téléchargez ne vous permet que 15 minutes de jeu. Pour disposer d'un temps de jeu illimité, il vous suffit d'enregistrer votre copie de Kali pour 30 $. Ça sent la fin! Oh ben là, j'ai plus de chance. Désormais, pour qu'un jeu se vende sur le marché, il faudra nécessairement qu'il puisse se jouer en réseau. Quelle est la différence entre le fait de jouer contre un ordinateur tout seul par rapport à jouer contre une autre personne en réseau? En fait, c'est au niveau de la tactique, parce que l'ordinateur ne veut pas, on vient qu'on connaît c'est les coups qu'il va faire, parce qu'il fait tout le temps les mêmes. Mais bon, l'instrument, en fait, il s'améliore, fait que on vient que on fait d'autres choses. C'est ça la différence avec l'ordinateur. Là. Qu'est-ce que vous préférez, jouer contre un ordinateur ou contre une autre personne? Contre d'autres personnes. Contre l'être humain. Définitif. Ah oui. Et si les jeux de combat ou d'action ne sont pas votre genre, sachez qu'il est aussi possible de jouer en réseau avec des jeux plus paisibles, comme le Monopoly. Wow, ben c'est fini, mon ami. On a gagné. Le seul problème, au fond, avec les jeux en réseau, c'est de trouver un adversaire à sa taille. Ah, je suis mort. J'ai plus rien. On peut penser qu'Internet, c'est surtout du texte et des images fixes, mais en fait, ça bouge de plus en plus. On commence à voir plusieurs sites qui ont des séquences vidéo et Jean-Hugues est en train de faire un repérage de ces sites. Oui, Sophie, je suis en train de visionner le téléjournal de France 3 qui est diffusé en Suisse. Là, il a été diffusé il y a à peine quelques heures et puis c'est vraiment fantastique. On peut déjà le voir. Et qu'est-ce que ça prend pour visionner ces séquences? Ça prend une technologie qui s'appelle Video Live, mais c'est pas la seule qui permet de voir de la vidéo là, comme ça en direct sur Internet. Il y en a bien d'autres, comme on va le voir dans le reportage. La vidéo, ce n'est rien de bien nouveau sur Internet. On a déjà accès à des milliers de fichiers vidéo sur le web. Le problème, c'est qu'Internet, ce n'est pas la télé. Du moins, pas encore.
Si on veut visionner un fichier vidéo, il faut d'abord le télécharger en entier sur son disque rigide. Et comme une seule seconde de vidéo peut prendre autant d'espace que 60 pages de texte, vous pouvez vous imaginer ce à quoi les internautes ont dû s'habituer. Mais il est désormais possible de voir des fichiers vidéo beaucoup plus rapidement grâce à une nouvelle technologie qu'on appelle le streaming. Sans entrer dans les détails, le streaming ou compression dynamique permet à un fichier vidéo d'être lisible avant même qu'il ne soit téléchargé au complet. Ça réduit le temps d'attente à quelques secondes à peine. Maintenant, pour pouvoir aller sur le web et visionner des vidéos qui sont compressées dynamiquement, il vous faut ce qu'on appelle un plugin. Un quoi? Un plugin qu'on peut traduire par plugiciel ou encore par module externe, c'est un petit programme qui vient se greffer au logiciel que vous utilisez pour naviguer sur le web. Le module externe va permettre à ce logiciel de faire des choses qu'il ne peut pas faire tout seul. C'est un peu comme une option 4x4 sur une voiture qui vous permet de quitter la route et de découvrir des paysages jusqu'ici inaccessibles. Il existe une quinzaine de modules externes qui permettent de visionner des vidéos en simultané. La plupart, par contre, ne sont pas tout à fait au point. Nous avons testé MovieStar et Interview, par exemple. Ils permettent tous les deux de voir une fenêtre vidéo directement sur une page web. Mais la lecture est souvent trop rapide pour le chargement, ce qui fait que les vidéos s'interrompent continuellement. Il y a cependant un module externe de vidéo qui fonctionne bien et qui est en train de s'imposer comme la norme en matière de vidéo en simultané sur Internet, et ça s'appelle Video Live. Les fichiers compressés dynamiquement avec Video Live défilent avec une aisance encore jamais vue sur Internet. C'est ce qui fait que des réseaux comme PBS et CBS aux États-Unis ou France 3 ont d'ores et déjà adopté Video Live pour diffuser leur contenu sur le web. Ça ressemble presque à de la télévision. Je dis bien presque, car la qualité de la vidéo qui est diffusée sur Internet, même avec Video Live, n'est pas fantastique. Ce problème-là est dû au fait que, pour l'instant, Internet est comme une route à une seule voie. Les fichiers vidéo ont besoin de voyager très vite, mais ils doivent partager l'inforoute avec des fichiers son et des fichiers texte. On nous promet pour bientôt un Internet à trois voies. Une voie lente pour le texte, une voie médiane pour le son et une voie rapide pour la vidéo. J'en connais qui vont se réjouir. Si le mariage entre la télé et l'ordinateur passe par Internet, disons qu'on en est encore qu'aux fiançailles. Pour plusieurs, Video Live représente le premier pas vers la télé à la carte. C'est un premier pas boiteux, mais c'est quand même un bond géant pour les internautes. Maintenant que vous connaissez l'essentiel d'Internet, vous êtes prêt à naviguer. Nous vous suggérons donc quelques sites incontournables et intéressants. Oui, Sophie, on va commencer par regarder quelques sites qui nous permettent de faire des recherches pour trouver du contenu sur Internet. Les sites les plus intéressants sur le web sont certainement ceux qui nous aident à trouver du contenu par mots-clés. On les appelle les engins de recherche, mais ils ont tous leurs imperfections. C'est pourquoi nous vous conseillons d'abord Metacrawler. Vous entrez le mot que vous cherchez et Metacrawler consulte automatiquement les 9 plus grands engins de recherche du web. Deuxième site, la Toile du Québec. Si vous cherchez du contenu d'ici, c'est le répertoire de sites québécois le plus complet et le mieux organisé. Mais le paysage d'Internet change de semaine en semaine. En consultant les chroniques de Sibérie, vous êtes certain de rester au courant. Les chroniques, c'est un bulletin hebdomadaire qui nous informe des grands courants qui traversent le net. Mettez également dans vos signets « Branchez-vous », un site qui, lui, change plusieurs fois par jour et qui présente des nouveaux sites. Vous cherchez des amis qui sont branchés? Avec WhoWare, vous êtes à peu près certain de les retracer. Vous tapez leur nom et WhoWare vous donne leur adresse électronique. Mais grâce à un autre site appelé People Search Canada, vous pouvez également trouver des amis qui ne sont pas branchés. People Search Canada vous donne leur adresse postale complète ainsi que leur numéro de téléphone. En terminant, nous vous recommandons shareware.com, où vous trouverez tous les logiciels dont vous avez besoin pour faciliter votre navigation sur Internet. Alors voilà!
Cependant, il reste un site très important. Le nôtre, le site de l'émission Branchée, où vous trouverez des informations, des conseils, des critiques aussi, non seulement sur Internet, mais aussi sur des CD-ROM, des jeux, des enjeux de société, bref, tout ce qui se rapporte aux nouvelles technologies. Alors, on vous souhaite bonne navigation. Pour nous joindre, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez nous écrire par courrier ordinaire, vous pouvez nous envoyer un fax ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courrier électronique. Pour ceux qui veulent se procurer la vidéocassette de cette émission, téléphonez au numéro sans frais 1-800-567-4381.